Hello les cocos. Coucou les loulous. On espère que vous allez bien. Très bien. Aujourd'hui, oui. On fait l'interview de Xavier Dolan. Alors moi je suis fan, donc je suis hyper contente. Ouais, ça m'étonne pas, t'es fan de tous les réalisateurs québécois. Mais surtout Xavier Dolan. Ouais. J'ai adoré Mommy. Ouais. Qui ne l'a pas adoré? Et bientôt il va faire popu. Donc on y va? On y va. Hein? Ouais. Salut Xavier Dolan. Salut. Ça va? Ouais, ça va. On est là pour parler de ton film Ma vie avec John F. Donovan. Les critiques, elles ont été autant positives que négatives. C'est toujours les gens, ils pètent toujours plus haut que leur trou, ils font pas plus haut que leur trou. Et moi, ça ne pogne pas tes nerfs, quoi. C'est un blasphème, quoi. C'est un blasphème? Et oui, les gens, ils sont trop snob. Non, mais c'est pas ça. On a dit que d'une pâte un petit peu artisanale, tu partais dans quelque chose de très américain, en fait, finalement. Par exemple, Nathalie Portman, qui en général a fait des prestations absolument formidables, là, tout d'un coup, elle passe un peu inaperçue, elle est là pour être là, quoi. Bon, tout le monde dit que c'est une face à claque, mais moi, je trouve pas. Moi, je pense que c'est un bon job. C'est-à-dire qu'elle est bien, quand même. C'est moi le réalisateur, quand même. Les gens critiquent, mais ils se rendent pas compte. C'est toujours ceux qui savent pas comment ça se passe, qui ont la critique facile. On est bien d'accord. Excuse-moi, t'as un style. On peut dire ce qu'on veut, Xavier, Dolan, les gens adorent ou les gens aiment pas, mais ça laisse pas indifférent. Oui, tu as enlevé une actrice de ton casting. Mais ouais, est-ce bon, si grave? En même temps, je m'en calise comme de l'an 40. Enfin, je sais que c'est tous les poils des jambes. Souvent, à l'écrit, c'est bien. Oui. Et puis à l'image, c'est pas bien. Non, mais elle a eu son cachet. Ah oui. Oui, bon, bah voilà, c'est le principal. Ah ben. On va passer à la première question, donc la bzik que t'as choisie, c'est la question bouffe. Oh, j'adore. Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir pour te bourrer la fraise? Ah, oh, j'adore manger du pâté chinois, j'adore espèce de petite hachis parmentier là. Comme ça, là, ouais, avec du maïs, j'adore ça. Ouais. Agrémenté d'un peu de liqueur, de la coke, tout ça, c'est génial. De la coke. Et puis quand je... Coca-Cola. Quand j'ai encore faim, je me tape un sous-marin. Attends, le Coca-Cola, c'est de la coke ou la coke, c'est du Coca-Cola? Au Québec, on dit Coca-Cola, on dit coke. Ah, d'accord. La coke. Ok. Voilà. Et... Alors, on va faire un hostage challenge. Ah, j'adore. Je te prends en otage. Ouais. Hein, je te baïonne avec ça. Et t'as 5 secondes pour me donner le plus d'expressions canadiennes possible. Une guidouine. C'est fini. Ouais, c'est fini. Tu auras peut-être un gage. Si on a le temps. Il a fait 4 heures au départ, j'ai dû faire une autre version. Et donc pour donner de l'information aux internautes. Ah oui, d'accord. Ok. Alors, performance très moyenne. Moyenne. Écoute, t'as l'habitude des critiques, mince, oui, bon, ça va, faut accepter, hein. Oui, mais bon. Faut accepter. Bon, on passe à la question relou. Quelle est la différence, mon cher Xavier, entre un pull et un chandail? Oh, pull. Oh. Putain, je vais ranger mon short tout à l'heure, là, c'est pas possible. Je vais me casser, hein, comme ça. Oh. Bah nous, au Québec, on dit chandail. Bah oui. Comme t'es très cultivé, on s'est dit à Clapzik que peut-être tu savais, tu connaissais la différence. En fait, c'était les marchands d'ail. Les marchands d'ail, ceux qui vendaient de l'ail à la halle de Paris. Ils avaient une tenue. Une tenue. Ouais, qui rappelait un petit peu les marchands d'ail. Et du coup, maintenant, on dit un chandail pour dire le pull de ces marchands d'ail. Oui, mais c'est un chandail. D'accord, mais ça s'appelait un chandail. C'est une tenue, mais voilà. Tu connais mieux quand même. Dans la cour, ouais. Il y a un petit ravalement. Ouais. Moi, j'aimerais qu'on reprenne tous les deux la scène de Mommy, la fameuse scène. Bah attends, tu sais pas de quelle scène je parle. On ne change pas.
faire taper tasse, toi. On ne change pas. Non, 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 mais qui a pris tasse, celui-là. Au revoir, Xavier Dolan. À tantôt, et gros bec. Moi, je l'aime bien, Xavier. Il est speed, hein. Tu l'as interviewé et tout. Hein. Ouais, c'est speed, ouais, c'est vrai. Ouais, putain, ouais. Il prend beaucoup de coke. Ouais, il adore les boissons gazeuses. Trop marrant. Je sais pas, t'as un truc... Ah ouais, putain, je me suis senti dans la peau de Xavier, dans la, peau de Xavier dans la vie de Jonathan Donovan. On espère que ça vous a plu. Oui, et on vous dit à très vite pour de prochaines aventures, vidéos. Allez sur nos réseaux sociaux, likez et puis, abonnez-vous. Abonnez-vous, purée. Ouais, ouais, vrai, vous regardez chiant. Mais vous abonnez pas, alors abonnez-vous, ouais, allez. T'es chiant toi, hein, hein, hein. Et ciao les cocos. À bientôt. Ciao. Bisous, bisous.